Alors on se retrouve aujourd'hui au bord de la rivière Le Dourdou pour venir faire une pêche familiale, une pêche de l'écrevisse. Donc ici, on est en plein milieu du canyon de Bouzoul. C'est un milieu super sympa pour venir se balader, mais aussi donc pour venir pêcher des écrevisses. C'est une pêche qui est très ludique, très visuelle, puisque en fait on va observer les écrevisses monter directement, vous allez voir, dans ce qu'on appelle une balance. Et c'est très intéressant pour les grands et pour les enfants. Alors pour cette pêche de l'écrevisse, il faut être titulaire d'une carte de pêche. Alors où trouver votre carte de pêche? C'est très simple, soit sur internet, soit chez un détaillant. Alors l'avantage d'aller chez un détaillant, c'est que vous pourrez aussi acheter en même temps vos balances qui vous permettront de pêcher ces écrevisses. Vous avez le droit de pêcher avec 6 balances par personne, en sachant que vous allez voir, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour être vite débordé pour relever toutes les lignes. Donc une ou deux en général suffisent pour faire une pêche, notamment une pêche familiale comme on fait aujourd'hui. Alors pour pratiquer cette pêche à l'écrevisse, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? C'est très simple, il nous faut donc une balance, d'accord, à laquelle on va relier un bout de corde de 3 à 5 mètres de long, de corde ou de ficelle, hein, et ensuite des appâts pour faire venir les écrevisses dans nos balances. Donc nous on a choisi des appâts de type sardine ou des croquettes pour chiens, mais tous les appâts carnés vont permettre d'attirer les écrevisses. On dispose ces appâts au fond de la balance, il y a un petit emplacement qui est prévu, d'accord, voilà un petit cercle. On prend notre balance, on la prend par la corde et on va ensuite la disposer dans la rivière ou le ruisseau où vous êtes. Derrière, il faut bien que la balance soit bien à plat et ensuite les écrevisses vont sortir des cailloux et vont venir en fait sur la balance. Et quand elles seront bien au centre de la balance, et bien il vous suffit de tirer un petit peu fermement et de ramener votre ficelle, hop 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 hop, et voilà, vous allez pouvoir attraper vos écrevisses. On pêche donc une écrevisse qui s'appelle l'écrevisse signal, donc c'est cet animal là. C'est une petite écrevisse en fait qui est invasive, hein, qui a été introduite dans nos cours d'eau, donc on n'a pas le droit de la relâcher après l'avoir capturée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette écrevisse là en fait il n'y a pas de maille, hein, il n'y a pas de taille minimum de capture, donc ça n'importe quelle taille vous pouvez les garder. Et faites attention quand même parce que les pinces, ça pince vraiment. Par contre, il suffit de les attraper, vous voyez, juste en dessous de leurs pinces, et là elles ne bougent plus du tout. D'accord, c'est très très simple. C'est une petite petit geste à prendre, un petit coup de main à prendre, mais sincèrement, en une minute, vous allez vite apprendre. Soit vous faites passer, soit vous l'avez attrapé comme il faut. Donc pour la reconnaître, c'est très très simple. Vous voyez, sur les pinces, on voit très bien en fait le petit point blanc ici là. D'accord, ce petit point blanc, donc c'est pas l'écrevisse à pied blanc, hein, comme on peut entendre, pas du tout. Hein. C'est l'écrevisse américaine signal. Donc ça, c'est pour dire c'est un signal. Donc on la reconnaît bien, vous en verrez partout dans nos rivières. Donc voilà, cette écrevisse là, quand on l'a attrapée, on doit absolument la garder. Pour la manger, c'est encore mieux. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Il vous reste plus qu'à aller disposer vos balances au bord d'une rivière ou d'un ruisseau du département, ou alors sur un lac aussi, parce qu'il y en a pas mal sur les lacs des écrevisses. Et puis de passer un bon moment au bord de l'eau, tout simplement. Et puis je l'espère aussi prendre du plaisir à les déguster par la suite.